Bon, voilà. Ma vie brève. Elle est née d'une illusion d'amour vite effacée. Mais elle, elle est restée là. Elle était petite, frêle, on l'a longtemps appelée coup de poulet, et de sexe féminin, et pourtant douée d'une énergie incompréhensible jusqu'à ce jour. Toute son enfance apparemment heureuse ne fut qu'un combat héroïque contre les tentatives de meurtre dont elle a été, comme tout jeune être, l'objet. De sorte que l'opération n'a pas entièrement réussi. Dans ce combat, son arme absolue a été le fantasme. Elle a constamment mené double vie, une imaginaire et une irréelle. Rien à dire sur quelque chose. C'est pas ça la question de la littérature. La littérature qui part d'un point de vue comme ça ne peut rien valoir. Sartre, etc., enfin vous voyez, des leçons de morale, des leçons de sociologie, des... C'est pas ça qui marche. C'est pas ça qui agit. Ce qui agit, c'est l'art. C'est la seule chose au monde qui agit. C'était quand on a été invité chez le poète israélien, qui c'est toujours vivant d'ailleurs, qui s'appelle Amos Kedan. Et c'était dans le 17e arrondissement, dans une rue absolument déprimante, un immeuble déprimant, un appartement déprimant. Et c'était une grande pièce quand on ouvrait la porte. Et dans un grand fauteuil, on a vu une petite tête, c'était Christiane. On ne voyait pas tout à fait, c'est comme ça avec les doigts. On était plusieurs. Et c'est Amos qui nous a accueillis, il a dit salut, comment allez-vous, etc. Et tout ça en hébreu en plus. Là. Et elle était furieuse, je crois. Parce qu'il y avait des gens comme ça tous les jours qui parlaient une langue qu'elle ne comprenait pas. Je pense, hein, parce qu'elle n'a pas été très gentille. Elle était assise comme ça. Il a essayé de la présenter, mais elle n'a même pas bougé la tête. Et puis elle se levait et elle est partie. Donc on a passé 2 ou 3 heures avec Amos, parce qu'on avait plein de choses à me dire. Et à la fin de ce moment, on devait partir. On a dit, bon, alors maintenant ça va. Il a dit, attendez, je vais aller la chercher pour qu'au moins elle me dise au revoir. Parce qu'elle était partie, je ne sais pas où, dans la cuisine, quelque part. Alors elle est revenue. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait Noélie Debel, personne, quelques années après, qu'elle aimait beaucoup. Alors, à la porte, carrément à la porte, ça je me souviens très bien, on était en train d'ouvrir la porte pour sortir. Il lui a dit, et ton roman, comment ça va? On ne savait pas, ni roman, ni rien. Pas personne qui était là, on ne savait même pas son nom, puisqu'elle ne voulait pas communiquer. Et elle a dit, ah, mon roman, c'est fini. Et tu veux que je te le montre? Elle a couru derrière, tout à fait. Alors, voilà, vraiment. Guillette, enthousiaste, excitée, elle est revenue avec une chemise rouge. Elle a dit voilà. Elle a dit comment ça va s'appeler? Et elle a dit ça va s'appeler les repos du guerrier. Mais ça ne s'appelait pas encore comme ça, puisque personne n'a entendu parler à ce moment-là. Mais 3 mois plus tard, c'était le truc que tout le monde disait, et le plus grand best-seller de. Alors il a dit ah bon, les repos du guerrier? Elle a dit oui, c'est Nietzsche. T'es... qui a dit la femme et le repos du guerrier. Non, c'est comme ça qu'on se trouve aussi. Hein. Ouais. Dans l'imagination, dans le... Non, il n'y a pas beaucoup de choses réalistes dans ce que j'écris. Même quand c'est réaliste, comme dans les Stances à Sophie, où ça m'était quasiment arrivé, cette histoire-là, même comme ça, c'était pas réaliste. J'avais changé plein de trucs. Et quand j'ai écrit un livre racontant ma vie, alors là c'était le pire. J'ai menti comme un arracheur de dents. Lui a proposé de traduire le bouquin de John Lennon.
Elle m'a appelé, elle m'a dit, toi tu sais l'anglais et tout ça, et moi je sais pas, elle ne savait pas un mot d'anglais, elle comprenait. Elle a appris un peu après, mais elle ne savait pas, peut-être un mot, pas plus. Et elle a dit, pourquoi on ne le ferait pas ensemble? Puisque tu as les genres des mots que j'aime, parce que je lui ai donné à lire un truc que j'avais écrit, elle a rigolé comme une baleine, dans la pièce à côté, moi je me suis cachée, elle a dit, elle rigole, ça va bien. Donc on s'est mis à ça, on a travaillé 3 mois, c'était chez moi, et ma fille, Orit, elle était furieuse parce qu'on l'empêchait de dormir, parce qu'on travaillait le soir, et on rigolait sans arrêt, parce qu'on faisait des longues listes de villes imaginaires, des maisons imaginaires, des gens imaginaires, enfin j'ai toujours ça, et là, on a gardé chacune son truc. Et c'était très amusant, on s'amusait, il faut voir. Mais Henri disait, mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle, j'aimerais bien savoir. Les enfants, ils sont assez spéciaux avec les trucs de... Après, elle s'y est mise elle-même, en cachette. Et vous jouez donc avec vos personnages? Ah oui, oui. Vous aimez bien jouer? Je joue avec mes personnages, je joue avec les mots, je joue avec tout ce que je trouve pour jouer. Oui, il y a beaucoup de jeux dans l'écriture, on n'en a pas parlé. Ouais. Il y a beaucoup de jeux. Donc c'est primordial le jeu en fait. Hein? Dans votre écriture, c'est primordial. Le jeu, oui. Ouais. Parce qu'entre temps, il y a eu 68 et tout le monde faisait des petits livres rouges. Alors il y avait un monsieur qui s'appelait René Georges Bach, personne évidemment entre temps, et qui était éditeur un peu marginal, et qui a demandé à Christiane si elle pouvait lui faire un petit livre rouge de la Bretagne. Puisque la Bretagne était à la mode. Tu ne peux pas raconter ça? Non, ça non. Jean-Pierre. Ben continue, je te crois. Donc, ça impliquait qu'elle allait vivre en Bretagne au moins un petit mois, ou quelque chose comme ça, rencontrer des gens. Alors elle m'a demandé si ça m'intéressait. Je dis, oh, mais ça, je serais ravie d'avoir jamais mis les pieds en Bretagne. En plus, ça peut être amusant. Donc elle lui a dit, je fais ça avec une copine, elle a dit qu'à cela n'était tout va bien, on l'a rencontré, elle était super sympa. Et il nous passait la maison que sa femme louait à Pont-Aven. Moi j'ai travaillé sur mon premier roman, que je devais donner à Grasset le 25 mai de 69, parce que je lui ai montré une partie, et Prima, qui était le directeur littéraire, m'a dit, si ça continue comme ça, on aimerait bien avoir ça pour le 25 mai. Alors j'ai pris un mot et le 25 mai, je suis partie à Paris et j'ai rapporté le truc. Donc moi, j'ai travaillé à un bout avec ma machine à écrire. Et Christiane a travaillé sur Printemps Parking à l'autre bout. Alors c'était très drôle parce qu'un jour, moi, je tapais furieusement et elle me regardait avec une haine absolue dans les yeux. Et le lendemain, c'était le vice-versa. Elle travaillait et voilà, et moi, je la regardais. C'était comme ça, voilà. Mais on a quand même fini, et moi, j'ai réécrit un chapitre 17 fois, je crois. Et puis, il y avait aussi les FLB, et on nous a fait visiter les FLB avec un bandeau sur le... Qu'est-ce que c'est, les FLB? Front de libération. Les FLB, c'était les Front de libération breton. C'était très à la mode. Après la guerre d'Algérie, il y a des autres qui avaient ces libérettes. Donc... On a dit si on pouvait le rencontrer, puisque ça fait partie du petit livre rouge, quand même. Une résistance armée, quoi. Alors ils ont dit oui, vous allez à tel endroit, je vous dis quel endroit, vous nous attendez au coin, et on vient vous chercher. Alors on arrive à l'endroit, on attend, et il y a une voiture qui arrive, qui s'arrête, un mec qui sort, il vient monter, on monte, et dit ne nous envoyez pas, mais on va vous mettre quand même quelque chose. On a rigolé. Et puis nous, on a débarqué dans une maison où il y a un type qui très sérieusement nous a expliqué leur but dans la vie, etc. C'était plutôt sympa. Mais il y avait, c'était une espèce de comment dire, on ne parlait que de ça, comme s'il y avait, je ne sais pas, Ben Laden, au moins. Ils n'ont rien fait de spécial, ils n'ont même pas mis une bombe, ni rien, que je sache, je ne me souviens plus. À cause d'attentats.
Jean Bibelot, on arrivait avec des idées géniales qu'il ne voulait pas adopter. Et au lieu d'essayer de jeter des bombes et je ne sais pas quoi, vous allez dans un endroit où il y a. Comment ça s'appelle? Des trucs qu'on met sur la route, sens unique, qu'est-ce qu'on connaît? Un panneau? Hein? Un panneau? Oui, il y a des panneaux comme ça un peu partout, il suffit de les mélanger, et c'est la pagaille la plus totale. Quelqu'un qui n'est pas engagé, c'est quelqu'un qui ment. Il est dans le coup. Mmh. Il mange quoi? Je suis partie dans des combats qui me paraissaient occuper le devant de la scène, enfin, où j'avais quelque chose à dire que les autres ne disaient pas. Surtout ça. Par exemple, pour les femmes, pour les gosses. Quand le truc des femmes a commencé, je me suis dit, tiens, elles ne sont pas pareilles. Quelque chose de nouveau à dire. Bon, alors je me suis mise là-dedans. Pour pouvoir dire ces choses nouvelles, je me suis aperçu, un, que personne ne les disait, et deux, que personne ne les écoutait. Roger Morrison, c'était le troisième, je crois, que Grasset n'a pas aimé du tout. Mais... Oui, il y avait un truc, comment elle a écrit... Comment elle a commencé à l'écrire? Elle a eu un flash. Elle a eu une phrase, ou deux, ou trois, deux. Et elle a commencé, et là elle n'a pas bougé de sur ta table pendant, je ne sais pas si c'était la journée, ou la semaine, ou le mois. Mais au moment où ça. Jusqu'au moment où elle s'est arrêtée, elle a continué en réfléchissant. Mais là c'était carrément un truc comme ça. Parce qu'elle a été très touchée et émue et bouleversée par ce qui s'était passé à Prague. Donc, puisqu'à Prague, il y avait un jeune poète qui s'est immolé par le feu. Et ça, c'était un Américain, Morrison, il a existé, Morrison. Oui, c'était un jeune homme qui s'est mis le feu. Donc, ça l'a beaucoup touché, cette histoire. Et il a commencé à l'écrire. Et après, elle a appelé une rose pour Morrison à cause de ça. Et personne ne savait pourquoi elle s'appelait une rose pour Morrison. Elle avait des préjugés assez solides quand elle avait des préjugés. Elle avait des préjugés. Alors moi, de temps en temps, je lui disais, tu devrais lire Diderot, Jacques le Fataliste, ça te plaira vachement, c'est très drôle. C'est un français absolument chouette. Laisse-moi tranquille, je ne vais pas lire Diderot. Bon, c'est parce qu'à l'école, on est forcé à lire toutes sortes de choses, donc elle avait la même chose avec Stendhal. Il dit, Stendhal, quand même, tu vas... Non. Bon, alors un jour, elle me voit lire Anna Karenina de Tolstoï, elle me dit, mais qu'est-ce que ça va perdre ton temps à lire les choses pareilles. J'ai dit, Christian, c'est vachement fameux, je suis sûr que c'est très bon, tu devrais lire. Ah non, pas moi. Donc, au Carnot. Et on prenait toujours le petit déjeuner ensemble dans la cuisine en bas. Il y avait deux étages ou un étage, je ne sais plus. Et Christiane n'est pas là, ce qui est bizarre parce qu'elle était toujours à l'heure et tout. Je passe le temps, on s'est dit merde, est-ce qu'il faut aller voir si elle va bien ou quelque chose comme ça. Et on entend quelqu'un qui descend l'escalier. Et on voit arriver Christiane avec Anna Karenina dans les mains en train de lire en descendant l'escalier. Il n'a pas pu le lâcher toute la nuit. Et là, là, effectivement. Ils prétendent qu'ils aiment leurs enfants. Ils prétendent ceci, ils prétendent cela, la vie. Qu'est-ce qu'ils leur laissent? De quoi s'en occuper? De quoi se suicider? Non, c'est de l'hypocrisie, ça. C'est très simple. Il ne faut pas qu'ils prétendent aimer leurs enfants, c'est pas vrai. Dites pas ça. Voilà pourquoi je suis scandalisée. Dites pas ça. Oui, il y avait un jeune architecte très sympathique qui faisait le changement parce qu'il fallait faire un living et en profiter pour creuser profond et faire aussi un grenier, qui était une très bonne idée, autrement c'était trop petit.
Et il y avait les murs noirs qui, comme d'habitude ici, il n'y a jamais de fenêtres, ou alors des fenêtres trop petites, comme une estrade. Et c'est là qu'on voyait le Coudon, qui avait une vraiment très belle vue du Coudon, et qui était une montagne magnifique. C'est la première chose que je dis, regarde la montagne, ça l'a vraiment très attiré, c'est pour ça que ça l'intéressait. Donc vous voyez ça de la salle de bain, qui était dans la baignoire. Une Christiane, elle n'est pas baignoire du tout, elle est douche, donc ça comptait pas. Mais la cuisine, par contre, juste au-dessus de mes vies. Alors elle a essayé de discuter avec l'architecte, il dit, oh, pas question, enfin, on peut pas, vous comprenez que... Tu lui dis, essaye-toi, parce que franchement, ça m'embête, comment je vais te convaincre. Elle me dit, cher monsieur, quand même, vous pensez que... Il me dit, mais vous pouvez faire deux pas et vous voyez ça par la porte. Il me dit, mais c'est pas ça le truc. C'est que quand on lave la vaisselle, on la voit, la montagne, pas quand on peut faire trois pas. À la fin, il s'est laissé convaincre. Il a fait une fenêtre minuscule, vraiment. On ne pouvait pas ouvrir, tu vois. Avec la... On a fait toutes les concessions possibles, imaginables. On prend le moindre mistral. Et des années plus tard, quand il est venu voir Christian, parce qu'il était devenu ami, etc., il a dit, Rachel, tu avais raison. Il dit, ah bon ? À propos de quoi ? Il dit, à propos de la fenêtre. Les anecdotes qui m'arrivent dans la vie, je ne peux pas les transcrire. Elles perdent compte toute vie, quand j'essaye. Alors je suis obligée d'inventer, je suis obligée de mentir, tout le temps.